Mademoiselle, ramène ton bonne copine, yeah. Ramène mon bonne pote, oui. Nous mélange, nous baisse, c'est salade brosson. Messieurs ou maïs, sans moi, soit déjà ok, ton choufflé, ça finit en salade crosson. Bonsoir, mademoiselle, t'es la plus belle ce soir, oh. Et les autres toutes périmées. Oh si mon son monte ou descend, monte ou descend, c'est moi qui fais travail tout périmé. Donc fais one copine. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur un run 200 au circuit Félix Guichard. Donc là, ben, on commence tranquillement, on fait un petit vlog et on savoir un petit peu les teams. Enfin, si toi, dis bonjour. Bonjour les amis. Moi, il est tranquille. Bien, Zot. Et là, doucement, doucement. Bien. Et là, comme d'hab, non. Comme un dimanche. Comme un dimanche, sinon, au soleil. Toujours. Bon, il est bien. Ah, vous n'avez pas encore roulé, vous avez juste hier là, non? Ne dérange pas, me filme à Zot. Tranquille. Mais de toute façon, on filme bien, mon frère. Est-ce que Zot s'y rappelle ahi? 206 étages dit. 206, c'est mieux. Et après, on a une fin intéressante là. Vous savez, le 205 Mia Khalifa, ça tombe. Des Zot, ça non? Ah. En fait, tu regardes celle-là, 205 là. Eh ouais, 205. Bien joué. Eh, non, eh, affole pas, affole pas. Juste deux petits mots, c'est un 205 HDI. Ouais, ben. De base de 8 HDI. Ouais. Et ils vont mettre le gaz dedans. Oui, monter avec gaz, ouais. Catégorie de tous gaz. Et le chrono, votre meilleur chrono à l'heure actuelle, c'est quoi? Meilleur chrono, dernier run, on a fait 8.144. Ok. Ouais. On s'est essayé à améliorer aujourd'hui, mais on n'a pas roulé du tout. Hein. Ok. L'objectif, c'est dans les 7. L'objectif final, en vrai. Le final, le final. Et là, on me dit aussi, nous, on attrape un petit peu moins, on a fait 8. 7-0, c'est déjà bien, hein. Et avant la fin de l'année, hein, cette... Voilà. Avant la fin de l'année, m'inspire. Mais... Et bon, de toute façon, on aura l'occasion de retrouver un petit peu la 205. On va se la mettre des roues drag dessus. Ouais. Ensuite, l'intérieur. Comme ça, ça la fait un petit peu. Elle est comme ça, les vider à fond. Mm-hmm. Ouais, les tapis on va mettre les nappes autour, manio. C'est comme ça. Le bouteille, c'est les... Ah, elle est là. Ouais. Et le réservoir carburant derrière. Ok. Pas mal ça. Donc ici on a une Arosa TDI, la team carte full. Ouais, Dimitri. Comment il est? Oh, bien. Tranquille, il est là. Bonjour. Hey, toujours aussi maniaque. Toujours aussi maniaque. Gasoil la vie de Pedro. Ah oui, celui-là. A l'aide, alors aujourd'hui, prévu bien rouler là. Mais bien fait. Ben, normalement. Il ne devait pas avoir trop de problèmes. Il y en a bien roulé, moi je ne sais pas. Ça fait chrono actuel combien? 8.082. 8.082, ah, elle est bon. Ouais. Allez, on va aller d'un pour dans les 7 ordi. Ah, pour filmer, ouais? Oui, vous filmez, mon frère, connaissez-vous. Les 700 dans les 7 est joli, mais c'est l'objectif. À l'aise. Regardez, c'est bien. Toujours attraction bio. Bio, ben. À l'aise. Comme moi. Ça va. Allez mon frère, bonne chance pour aujourd'hui, bonne Allez, journée. Correct, merci. Alors bien, tranquille, doucement, doucement. Donc là on est avec une team, on est avec la team de l'Ouest. Donc 335D, 206 HDI, 205 TD et 205 TD. Toujours TDI partout les gars. Et là on arrive sur une Golf 4 4 motrices. Et ça les gars, bien? Tranquille, doucement, doucement. Tu gardes un mot de bien? Bien même. Et là, doucement, doucement. Alors. Nico, nous l'a passé un peu dans la galère là, comment il est aujourd'hui là? Okay, aujourd'hui normalement il devrait être mieux qu'hier. Ouais. Ben, aujourd'hui il y en a rien, t'as la fièvre, t'es jette de l'eau toute. Après il y a un début de joint culasse, mais normalement il devrait être mieux aujourd'hui, bisque. Là améliore un petit peu la boîte ou bien sinon toujours pareil? Ben marchons carrément une boîte. Ok, tu vas la mettre. Sur une boîte S3. S3. Et il est plutôt copiant, il y en a... S3 8P? 8L. 8L, ok. Ben, on a fait un 7900 hier. Ah, donc ça, bio, il est déjà ah, pas et... mal, ouais, déjà pas mal. Et là on s'essaie de gratter un petit peu plus aujourd'hui, on va voir si... 7-5. Espère, faut essayer, ben. Ah bien, ouais, ben. Allez, c'est plaisir, en tout cas. Espère, oui. Faudra qu'on ait fini, nous faire une petite vidéo, tiens. Ouais, ce serait bien, ça pas. Magnifique la petite Golf 4, les gars. Comment elle est? Ça va bien. Doucement, elle est là, sinon.
Tu es tranquille. Hopé. Pas mauvais, n'habitude. Allez la team, là on est avec la team préparation BEG. Du coup Citroën AX, Atmo. Et du coup le proprio c'est monsieur Bertrand alias Tirouge. Bertrand, comment il est? Alors, pas que ça. Doucement. Et le même ou même? C'est dit un. Doucement, alors aujourd'hui, retour après un petit problème moteur. Ben, dernier coup, le moteur a cassé. Et ben, là, je l'ai remonté. Je l'ai renu. Dernier coup, comme m'a dit, il m'a fait 10-500. Ben, là, grand matin, le premier, c'est mal fait, m'a fait 9-800. 9-800. Ouais, 9-800. Excellent. Ouais, c'est ce que il commence, c'est ce que tu attends. Ouais, il commence bien redévelopper. Il faut nous retrouver les réglages, un peu les réglages, parce qu'on peut sortir 500 en une affût, les vitres sont déjà très bien. Surtout pour un réglage 100% mécanique. Ouais, 100% mécanique. Alors, on peut monter un petit peu comme ça, on l'a fait sur la Citroën. Ben là, nous l'avons refait le moteur, nous l'avons remetté l'arbre d'origine, comme l'avait un gros lab spécial, on repasse l'arbre d'origine. Et nous l'avons refait la boîte. Et ben nous l'avons refait, on a fait un montage 1600 avec Kabi. Et la réunion, c'est le premier, ça n'a pas un d'autre. Hein. C'est le premier 1600, la réunion avec Ronde Kabi, avec Delco. La pompe Delco, ça c'est bon la tête ça, tête Delco. Tête Delco. Donc ça, Delco, ça avec le Delco, on va dire que c'est pour un petit peu de boost en électricité. Oui, un petit dans peu le moteur. On va mettre un petit peu plus la patate. Allez. Ben, et normalement, quand les bonnes 1600, normalement, le monter avec injection, ben là, nous la remontons en. Avec Carabi au fait, c'est un Carabi. Ben. Et du coup là il fait plus des ordres. Ouais, oui, et il monte plus dans les tours. Ouais, là il prend plus les tours. Ben, comme dernier coup, il monte bien dans les tours, comme il avait un gros lab. Mais tu n'es pas trop géré encore. Là, on a un lab un petit peu plus petit. Oui. Au moins, nous gagnons un petit peu plus. Bien sûr. Sur le pied, ben. Et là, cet après-midi, là on a fait 9-8. Allez, un petit 9-6, vous êtes content? Si on arrive un petit 9-6, il est déjà très bien. Parce que comme c'était premier roulant, j'ai des coups de cassé, ben là c'est le deuxième en vie pour un instant. Il est pas mal quand même. Bien sûr. Ben, nous va essayer, nous va régler. S'il n'a pas cassé, nous va essayer, améliorer. Il est belle, nous faisons installer le tour. Ouais, voyons. Alors, là où la mettre la roue. On va mettre des roues. Ben, encore c'est pas les Isier comme. Un modèle de base. Un modèle de base. Et ben voilà quoi. Et nickel. Après, voilà, tout est bonnes sponsors, le petit. Tranquille. Et à l'arrière, on a le réservoir. Ouais, c'est tout, sinon les vider. Oui, sinon les vider. Là, il y en a un réservoir, ça là. Tranquille. Alors là, c'est l'essence VP. Non, l'essence normale. L'essence pays. L'essence pays. Ben, et comme ça, c'est mon bon aide, on a un petit coup de main pour avancer. Ouais, pour avancer, sinon, il gagne vite tout, je vous dis ça. Ouais. Voilà, c'est l'équipe bien de sûr. Choc. Grâce au Sama, allez grâce au Sama. L'assistance arrive. L'assistance, en midi, manger, pas mener pour le ouais. Ben allez, après Yann prépare. Allez, il donne un bon petit coup de main aussi. Ben, toute l'équipe donne un petit coup de main en fait. Chacun met un petit peu la main à patate. Toujours été comme ça aussi. Ben oui, toujours été comme ça. Il change pas. À l'aise. Oh, merci bien Bertrand. Ok, merci. Correct, les belles. Merci. C'est la fin d'après-midi. Donc là c'est session mix diesel essence. Allez, on se met les voitures, on va faire le tour. Donc là il y a du TDI. Hein. Ah oui les gars.
TDI, Seat Cupra 700 plus. 206 TDI. Allez les amis, on va retrouver Jérémy maintenant et sa Golf 7.5 et à stage 4. Comment il est? Tranquille? Et ça aille. Tranquille. Bon. Salut tout le monde. Fait plaisir de retrouver un petit coup dans les vidéos. Hein. Ben, dans mon temps, on n'a pas connu, mais déjà, ouais, là, on essaie de revenir un petit peu en France, je vais dire, parce qu'il a changé de setup sur la Golf. On va dire qu'il a changé de turbo, l'a mis un peu plus gros. Toujours les pièces pareilles sur ton mécanique. Et la voiture maintenant sort un petit peu plus de 600 chevaux, on va dire. Donc c'était déjà dans les 600, mais là tu es toujours dedans, mais tu veux arriver sur les 700. L'arrivée sur les 700. À la fin d'arrivée ? Ah, mais bon. Donc les 700 en plus, mais aujourd'hui je roule avec la carato des 6++, on va dire. Ok. Le 7 là, pas encore bien affiné. Ok, alors. Et du coup, le chrono actuel ? 6831. Et avec l'ancienne config, t'étais à combien ? 6900. Ok. Bon, elle est bon. J'espère que va améliorer. De toute façon, l'effet pour améliorer. De toute façon. Voilà. Big up, fait plaisir ça. Big up, Karmoud. D'ailleurs, donc on est avec Sydney. Comment est Sydney, ça va? Ben, la forme. Ouais, comme un dimanche, quoi. Alors, oui. Comme un dimanche, quoi. Bien sûr. Alors, une team qui nous vient du sud. C'est ça, Saint-Philippe. Là, comment appelle la team? GC Power. Okay. Alors aujourd'hui, premier run, deuxième run? Ben, c'est le troisième, mais pas avec la même voiture. Avec la voiture là, ben, c'est le premier run. Un peu compliqué, parce qu'elle ben, m'a pas roulé du tout ce matin. À cause d'un petit problème technique avec un boulon au support, me dire que la foirée était démunie. Donc on était obligé de remonter Saint-Philippe, aller chercher tout ce qu'elle a besoin pour relâcher le run. Et ben, elle m'a pas eu vraiment de temps de roulage. Donc c'est extrêmement compliqué de faire de sortir un chrono avec, parce qu'elle n'est pas habituée du tout avec la voiture. Donc là, on a pris le cœur de la Léon, on a mis dans la Cupra. Sauf que ben, la patate est là, on a eu une évolution quand même aussi avec, parce qu'on apporte quand même deux trois pièces, deux trois petits motifs en plus. Mais sauf que maintenant, il faut trouver le grip, il faut trouver l'habitude, il faut trouver la manière d'accélérer, parce que ben, on était habitué avec un Léon, mais pas avec un Cupra. Cet après-midi, on a essayé une nouvelle corde dedans, mais ben, écoute, la patate est là. Sauf que maintenant, il faut essayer de trouver toujours de décoller. Réglage. Ouais, toujours réglage. Prochain run, bien l'année prochaine. Ouais, ben là, normalement, s'il y en a un en novembre. Ben Cali, on sera là. Sinaï en décembre, on sera là. Allez. Aussi. Sinaï 400 mètres. Ah oui, c'est top. Hein. Sinaï 400 mètres, par contre, là, oui. Ça, c'est top, ça. Bon, merci beaucoup, Sinaï. Pas de soucis. Belle, correct. Belle, merci. Fait plaisir. C'est belle. Allez, les gars, là, on est au départ. Audi RS3 8Y avec Audi S3 berline. C'est parti. En direct avec monsieur Tirouge Beck, c'est avec Satmo. On regarde ça de plus près, les gars. Thank you.
prends ça dans la tête. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, mais avant de finir du coup, on va passer avec une dernière team, donc la team Fireman Service. Et ça y est, comment les gars, tranquille? Là, ça va quand même, bien. Tranquille, ça va doucement, doucement. Tranquille. Alors la journée? Ça va, ça va. Ça a été tranquille, léger. Combien de voitures vous allez ramener? Trois. Du coup, un litre 9 TDI, un litre 9 TDI. Oui, exactement. Et du coup là-dedans, Fireman Service, qu'est-ce que c'est Fireman Service? Fireman Service, en fin de compte, c'est un vieux nom de mon papa, en fin de compte. Ouais. Mm-hmm. Ben, mon frère est là. Il fait plus de 13 ans que nous existons. Nous la mettons à nous en dehors parce que papa aussi a fait la compétition. Et aujourd'hui, ça leur ramène deux voitures. Deux voitures, c'est ça. Exactement. Donc, deux voitures. Et donc, les voitures, elles sont ici, c'est ça? Le gris et le rouge. Est-ce que les deux, les bio ou on a le gaz? Bio. Bio. Et le chrono aujourd'hui, ou meilleur chrono, si le meilleur chrono il date? Ben, comme moi c'est le pilote, du coup, le meilleur chrono qu'on m'a fait c'est 8.5. Ok, 8.5, pas mal en vrai. Et le deuxième pilote? Pour Terence, gars. Wow. On a entendu une Run 400 au mois de décembre, et peut-être m'en mettre la blanche. La dame blanche. La dame blanche, qu'on m'a dit. Celle-là est promis, celle-là, 500 en plus. Il pense. Il dit, il n'est pas prouvé, mais là, c'est un petit grain de sel quand même. Hein. À l'aise, t'es bien fait plaisir, les gars, en tout cas. Un petit peu coton mili. Après, comme le malba, pas un petit crème à salé. Ah, mais ça, il vient en mangeant. Bon, les belles, les gars, merci encore. Et on va terminer la vidéo là-dessus. Merci, Kamoud. Hein. Toujours. Big up, Kamoud. Allez, à bientôt. Ciao.